tu vas? Moi j'ai la même. Ouais. En R8 aussi? En R8 aussi. Ok. Sauf que c'est pas un canon lourd comme ça. C'est un canon lourd là que vous avez mis dessus? Non, c'est un canon standard. C'est un canon standard? Ouais. En 30-06. Pas de problème, moi c'est mon calibre. Vas-y. On est balle Norma, Oryx. Tu mets pas de balle dans le canon? Non, non, non. On est pas comme ça. Pendu dans le coin. Hein
Vas-y. Bravo, il y est. Non, non, laisse-le. Il tire plus. Ouais, tu le gardes en respect au cas où. Je le garde en respect au cas où. C'était celui-là ? Ouais. Un grand vieux sanglier, un grand vieux cochon marron. On veut pas. Ah non, non, t'as bien fait, écoute. Ah non, non, non. Bravo mon pote. Merci. Merci à toi. Top, 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 top. Bravo. On commence bien. Alors, comme ça, il y a des petits cochons à l'île Maurice, Cyril. Oh, super. Super, super, super. Super. Les dents impressionnantes, hein. Ouais. Surtout pour un petit cochon de... Il fait quoi? 45-50. Ouais, voilà, 45 kilos, mais il est très âgé, si tu veux. Il a eu le temps de vieillir avec la gestion qui est faite ici. Pas que c'est rare d'en tirer, mais ils sont tellement farouches, tellement nocturnes, ils deviennent bien malins, quoi. Et... Ouais, là, tu vas pas les revoir. Ah, non, mais en plus, celui-là, bon, personne ne le connaissait, puisqu'on chasse quand même pas intensément, vu qu'on a des plans de gestion, on tire pas n'importe quoi, n'importe comment. Combien de distance on l'a jumelé? 300 mètres. Et on fait descendre, hein. On laisse tomber le Cerusa, parce que là, ça vaut vraiment le coup, c'était top. Parfait. Exceptionnel. Mais là, t'as fait un tir super, un petit peu instinctif, parce qu'on venait juste d'arriver, il ressort. J'ai lâché la carabine sur le traquet. Je l'ai pris tout de suite, je l'ai senti, j'ai lâché la balle. Ah, je suis un peu devant. Un peu devant, un peu bas. Voilà. Bon, allez, non, elle est bien. Elle est bien. Tu sais. Pareil. Le tout, c'est qu'il soit là, qu'il n'ait pas souffert, qu'il soit mort et. Quand même un sacré somme. Oh!
cul, il regarde vers la droite. Tu peux pas le tirer pour l'instant. Mais prends bien ton temps. Hein. Il est plein de cul, tu le vois? Ouais. Ok. Voilà, maintenant tu peux. Une belle balle. Il a bien monté, hein. Bouge plus. Une belle balle, il va mourir. C'est bon pour toi? Je pense qu'il monte bien. Il part où? Je vois pas partir. On met une balle? Ouais, en sécurité, c'est bon. Je pense qu'elle est bonne, hein. Il fait un saut, hein. Il fait un saut vraiment impressionnant, hein. Et c'est celui qui bramait devant nous à 25 mètres tout à l'heure. Super évasé, hein. Sacré cerf. Je pense qu'il est plein poumon, voire vraiment comme il monte. C'est typique balle de cœur ou balle de poumon qui les fait sauter. Mais vu la réaction qu'il a quand il remonte, qu'il commence à baisser la tête quand il remonte sur le chemin, là j'ai pas pu le filmer, mais je pense que ça peut être bon. Toi, quelle est ta première impression, toi? Bah, une belle approche matinale. Ouais. Une belle position de tir. À la vidéo, on voit que l'animal prend bien la balle. Je pense qu'elle est bonne. Maintenant, il faut aller voir. J'espère qu'il est là. En tout cas, une belle approche, des belles émotions encore. Un beau brame. Ben voilà, parfait. Oh là là, l'évasement de ce cerf. Tu le mesures de où à où, l'évasement? De pointe à pointe. La dernière pointe à la dernière pointe. Félicitations. Merci beaucoup. Et ben, le cerf prélevé ce matin, le vieux cerf. Bien évasé, des belles vagues frontales, un beau tir à 120 mètres, une distance de 50 mètres de fuite, retrouvé comme ça dans la pente, dans le bois, super heureux, mon cerf de Java, rien à dire, parfait, belles émotions, une belle approche matinale, un beau coup du matin, un vieux cerf qui a l'air d'un peu ravaler. Les meules qui sont quand même déjà bien aplaties. Voilà. Heureux alors? Heureux. C'est ce qui compte. Félicitations, une belle balle. On était un peu dans le rush. On l'a vu bramer ce cerf à 25 mètres de nous. Il est parti. Une biche nous a capté. C'était pas gagné d'avance. Surtout que le matin, on n'a même pas une heure de chasse. T'as vu comment ça se passe le matin? Ça fait la troisième ou quatrième matinée. Et c'est notre première matinée où ça commence vraiment à bramer, on est vraiment on rentre dans le pic de brame. Et c'est jamais évident. Il y a toujours une biche pour nous voir dans un vallon opposé et faire en sorte que la partie soit encore plus difficile. Mais quand il y a un tel résultat avec une belle balle, une belle approche, après 4 jours, c'est à combien de jours de chasse? 4e là? Troisième sortie matinale et une après-midi. Maintenant on va chercher un atypique, ouais. Mais d'abord, on va bien savourer celui-là. C'est exceptionnel. Félicitations à toi. Merci Lionel. Je
connais ce cerf depuis 3 ans et peu de chasseurs semblent intéressés par lui, bizarrement. Cependant, en 3 ans de saison de chasse, 14 de nos clients le voulaient, mais le grand vieux cerf semblait introuvable. C'était un fantôme, une légende, un Graal, qui me donna bien du fil à retordre en tant que kid. On voit ici un très vieux cerf, plus du tout de meule. Énorme à la base, carré, il n'y a plus du tout de pivot. Une super palmure ici, 4 pointes. Et ici, 4 pointes aussi. Vraiment un très vieux cerf. Merci Lionel. Et elle se touche, les bois se touchent. Incroyable. Non, on dirait ? Ouais, ouais. J'ai vraiment l'impression que les bois se touchent. Oh ben, je repense à hier, le premier contact avec ce cerf que je manque et qu'aujourd'hui on retrouve par miracle. La belle approche, la balle vraiment au dernier moment parce qu'après ben, c'était fini. Et il reste quasiment sur place, il fait 25 mètres et il tombe. Vraiment un beau souvenir, un magnifique souvenir. Avec l'océan là derrière, la montagne qui nous regarde, les nuages, on pourrait les toucher. Vraiment magnifique. Combien de sorties on a fait pour prélever ce cerf ? 6. 6 sorties matinales, 6 coups du matin. Finalement, c'est le coup du matin qui a toujours marché. Sauf pour ton grand sanglier. Sauf pour le grand sanglier.